aller vite, bien évidemment, mais il faut se concentrer. Ah, du côté de Marilou, c'est tombé. Ah, du côté de Silla, de l'équipe des super poneys, c'est tombé également. Alors, faut descendre vite, 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 vite. Jamais lâcher son poney. Évidemment, plus on a un grand poney, plus c'est difficile. Hein. Ah, là-bas, du côté des schtroumpfettes également, c'est tombé. Allez Marilou, allez Morgane, on est reparti là-bas, on va attraper la deuxième bouteille. Plus on a un grand poney, plus c'est haut, hein. Marilou, il lui faut une rallonge de bras. Morgane aussi là-bas. C'est pas simple ce jeu-là, c'est pas simple. Allez, on est parti là-bas du côté de l'équipe des Schtroumpfettes, alors qu'on a une légère avance de l'équipe de Saint-Gem. Décidément, c'est cavalier en délire. Pas facile, hein, il faut que le poney ne bouge pas. Il faut qu'il s'approche de la poubelle. Allez, on donne le relais au numéro 3 là, de l'équipe des super poneys. Je vous rappelle que les cavaliers doivent descendre lorsqu'ils ont terminé leur jeu. Pas facile hein, ce jeu-là. Il faut vraiment venir à côté de la poubelle. Il faut se pencher sur son étrier. Voilà, comme ça, Philippine, c'est bien. Ah, c'est du sport, hein. Allez, on va donner le relais. Alors, on n'est pas obligé de la poser au centre de la poubelle, hein, la bouteille, du moment qu'elle soit sur la poubelle. Allez, vous continuez à les encourager. Normalement, Louis, c'est à cheval qu'il faut attraper la bouteille. Allez Louise, on remonte vite, c'est à cheval qu'il faut attraper la bouteille. Ah, là du côté des super poneys, on a terminé son jeu.